Cette histoire a commencé avec la naissance de Rohit, un petit garçon simple d'esprit. Les années se sont écoulées et il a grandi comme les autres. Et il a conservé l'esprit d'un enfant, sa manière de parler, son attitude. Tout montrait sa candeur. Et cette innocence, il l'a payée très cher. Tout le monde se moque de moi. Qui va m'aider, Dieu Krishna, si toi tu refuses? C'est toi le plus fort, pas vrai, hein? Krishna, je t'en supplie. Donne-moi un peu ta force, je t'en supplie. Une nuit, suite à ses prières, une soucoupe volante a atterri dans la petite ville de Kasauli. Et Rohit a fait la connaissance de Jadu. Jadu l'a doté de pouvoirs extraordinaires, qui l'ont à jamais métamorphosé. Les nouveaux exploits de Rohit ont fait parler de lui dans tout le pays. Un jour, il a reçu une invitation exceptionnelle du célèbre docteur Siddhartha et s'est rendu à Singapour pour le rencontrer. Monsieur Rohit Mehra, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Mais peu de temps après, un drame a emporté Rohit et sa femme Nisha, laissant à la mère de Rohit la garde de leur fils unique. Mika était la seule raison de vivre de Sonia Mehra. Seulement, ses super-pouvoirs étaient tellement incroyables qu'elle avait du mal à le contenir. Et pour le protéger, elle a décidé de s'installer dans un endroit isolé. Seulement l'amour et le destin en décidèrent autrement, et Mika a suivi Priya à Singapour. Là-bas, il a découvert la vérité. À sa plus grande stupéfaction, Rohit Mehra, son père, était encore en vie. Cela faisait des années qu'il était prisonnier du docteur Siddhartha. Mika a alors tourné une page de l'histoire. En enfilant un masque brisé qu'il a trouvé dans l'incendie d'un chapiteau de cirque, Mika a donné naissance à un protecteur, un ami, un super-héros. Blast! Le virus extraterrestre que j'ai concocté est parfait. Il va engendrer la fin de l'espèce humaine. Merci, Jadu. Eureka, j'ai enfin compris comment tu canalises la lumière. C'est vraiment fantastique. Et si, comme prévu, mon expérience fonctionne, ce sera une nouvelle ère, une révolution pour la science et l'humanité. Ah, il ne reste que 10 minutes. Ah,
Papa, mais... est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout. Ça va bien, il n'y a aucun problème. Au contraire, je suis tellement heureux que... Bon, papa? Désolé de t'avoir réveillé, mais le soleil va se lever dans 9 minutes précises. Il faut absolument que vous veniez voir ça. Alors... Oui, papa. Dépêche-toi. Aujourd'hui, ça devrait marcher. J'ai légèrement changé le dispositif. Maintenant, c'est parfait. D'après tous mes calculs, cette fois, ça devrait être bon. C'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est? Mes années de recherche. L'aboutissement, en fait. Pour qu'il y ait de la vie, il faut de la lumière. La lumière donne la vie. Et je crois que j'ai enfin trouvé la bonne disposition des miroirs. Grâce à ce dispositif de réflexion complexe, je vais augmenter l'intensité énergétique de la lumière. Ce phénomène se produit naturellement dans notre environnement. Malheureusement, il est invisible. C'est pourquoi... j'ai inventé ce stylo plume. Il cache un appareil électronique. Dès que ce petit objet se trouve en présence de ce phénomène extraordinaire, il se met en route aussitôt et émet un signal sonore. En gros, ce dispositif concentre et multiplie les rayons lumineux en direction du sujet. La vie va reprendre le dessus grâce à la lumière, entre autres. Tu veux dire que les rayons du soleil vont redonner vie à cette plante? Quoi? Mais c'est impossible. Mais voyons, bien sûr que si. J'en suis sûr. Croisons les doigts. Allez, allez, croisez les doigts. Papa, le soleil. Ah, vous voyez, mon stylo s'est mis en marche. Ça signifie que le placement des miroirs est bon. Mes calculs étaient tout à fait corrects. La puissance de la lumière est bien trop forte. Je dois trouver un moyen. Il le faut. Il faudrait que je fabrique un filtre, un appareil qui laisserait passer les rayons pour que ça fonctionne, et qui permettrait aussi d'absorber le surplus. Un peu comme un filtre intelligent qui aurait un cerveau. Et c'est exact. Un filtre intelligent. Bête comme chou. Vous verrez, à moi tout seul, je vais révolutionner la science de l'énergie solaire. Au boulot, allez, oust, on se réveille. Dépêchons, c'est l'heure. Un filtre avec un cerveau. Du gâteau. Mika! J'arrive, papa. Oh, très élégant. Tu trouves? Est-ce que tu t'es occupé du pneu? Celui qui a crevé hier. Ah, non, pardon, c'est que... mais qu'est-ce que Priya fabrique? Priya! Oui, j'arrive. Ouais, c'est bon, je suis prête. Et tu es sûre, tu ne devrais pas t'habiller un peu plus? Non, je suis prête. Ah, vraiment? C'est qu'une retouche, je finirai dans la voiture.
On a crevé. Regarde-toi. Oui. Et voilà. À présent, je dirais que tu as l'air tout à fait prêt. Oh. On peut y aller. Bon, très bien, puisque tout le monde est prêt, alors que la fête commence. Et quelle fête? Tu ne travailles pas au studio télé aujourd'hui? Bien sûr que si. Non, ce n'est qu'une expression. Voilà, Mika, on est arrivé. En fait, mon nouveau boulot est plus loin. Tu vas à droite, puis tu prends à gauche, et ensuite la première à gauche, et c'est là, l'agence de sécurité. Hein? Et chérie India, qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, je vais être en retard. N'essaie pas de changer de sujet. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Je sais ce qui s'est passé. Ah, je vous écoute. Les clients voulaient acheter des billets d'avion, mais toi, tu volais au secours de quelqu'un. Du coup, la direction a dû définitivement l'interdire de vol. Voilà pourquoi ils lui ont montré la porte. Pas vrai? Oui, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Bien, mon garçon. Je suis très fier. Ah, stop, c'est juste là. Voilà, c'est mon nouveau lieu de travail. Tu travailles chez SIS? Hé, monsieur, venez par ici. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je vais quitter le studio à 4h30 aujourd'hui. Mm-hmm. Donc n'oubliez pas de me retrouver à 5h pétante. C'est d'accord? Oui. Vous avez intérêt à être à l'heure, monsieur Mera, ou votre boulot de mari va s'envoler. Compris? Entendu. Bonne journée. Bonne journée. Très bien, alors. Où dois-je vous déposer? Comment ça? J'ai pas encore été renvoyée. Comme d'habitude, je vais à mon labo. On est trop fort, ouais, ouais. De la chair à pâté. De la Mika, chair à... Kripal, le patron a décidé de vous renvoyer tous les deux. Voici ta lettre de licenciement. Et la tienne. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage est en train de se décomposer sous mes yeux. Hier, quand les quatre braqueurs se sont introduits dans la bijouterie... Tu t'es volatilisé. Pas étonnant que tu sois licencié. Mais et toi? Moi, je me suis enfui. Enfin, je me suis enfui pour revenir ensuite. Pour revenir ensuite? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ouais, on est viré maintenant, allez faire votre boulot. C'est bon, du calme. Allez, circulez. Pas étonnant. Circulez, y a rien à voir. Oh. Bon, écoute, tu sais, quand je me suis enfui... je veux dire, quand je suis parti. Juste après, devine qui est entré dans la bijouterie, hein? Je sais pas. Réfléchis une seconde. C'est Blast. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je voulais dire? C'est mon secret, je suis un super-héros. Comment ça, un super-héros? Tu ne saisis pas, j'ai dû sortir et... Et? C'est moi, le super-héros. C'est toi? Ben oui, ça paraît évident. C'est toi? C'est toi, Blast. Pas si fort, voyons. Si on t'entend, va y avoir un attroupement et je devrais signer des autographes, tu comprends? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? La taille. Blast est très grand. Mais, et toi, t'es minuscule. Non, pas du tout, mais il faut simplement remettre les choses dans leur contexte. Grand pour combattre les méchants et petit pour me fondre dans la masse. Tu peux pas comprendre. C'est un truc de super-héros, je me transforme. T'es qu'un homme ordinaire, va donc chercher un boulot. Quelque chose qui te conviendra mieux, tu vois le truc. Une dépêche vient de nous parvenir à l'instant de Bombay. Le vol AK-101 entre Bombay et New Delhi est en péril suite à un problème de train d'atterrissage. Toutes les tentatives du commandant de bord ont été infructueuses. Si le système d'atterrissage n'est pas enclenché correctement, l'appareil risque fortement de s'écraser. Un atterrissage dans ces conditions met donc en danger la vie des passagers et des membres d'équipage. Tu vois, le devoir m'appelle. Où est-ce qu'il est passé? Contrôle AK-101. Attendons instruction. AK-101. La piste numéro 27 est prête pour un atterrissage en urgence. Vous avez l'autorisation d'atterrir. Et bonne chance. Commandant, atterrir sans roue frontale est trop risqué. Ça pourrait causer un accident. Ou pire, une explosion. Nous n'avons aucune autre option. Nous sommes à court de carburant. Nous devons tenter notre chance. Veuillez maintenir vos ceintures attachées et vous mettre en position de sécurité pour l'atterrissage. On dirait qu'il se passe quelque chose.
maman, ça fait plus... on va pas avoir mal, hein. Pas vrai, maman. Mon Dieu. Par pitié, viens nous sauver. Pitié, pitié. Avant de rentrer de la République de Namibie, j'ai contacté tous les directeurs régionaux de l'Organisation Mondiale de la Santé, afin de leur faire un rapport de situation sur l'épidémie. Ce virus doit absolument être enrayé aussi vite que possible. Si nous échouons, les conséquences seront terribles. Ce serait catastrophique. Nous avons expédié des échantillons de sang contaminés par le virus à d'illustres scientifiques du monde entier. Toute aide sera la bienvenue. Il faut absolument trouver un antidote. La crise sanitaire qui sévit en Namibie semble s'aggraver de minute en minute. Nous avons mis en place un numéro d'appel gratuit pour toute demande de renseignement au sujet de ce... Allô, oui, oui, bonjour, docteur Chetty. Docteur Mera, j'imagine que vous avez entendu parler de la pandémie en Namibie.
Le virus sème la panique dans tout le pays. Oui, j'ai vu ça à la télévision. Dites-moi, docteur Chetty, connaissez-vous le temps d'incubation du virus avant que les premiers symptômes ne fassent leur apparition? Il est extrêmement bref. Les symptômes sont rapides après l'exposition au virus. Les premiers effets commencent à apparaître chez les victimes. Nous pensons que le virus se transmet par l'air et l'eau. Nous avons envoyé des échantillons de sang infectés à des laboratoires du monde entier. Vous y compris, vous êtes l'un des meilleurs. Et j'espère que vous trouverez la solution. Docteur Mera, vous êtes notre dernier espoir. Je compte sur vous. Bien sûr, comptez sur moi, je ferai tout mon possible. On trouvera un remède. Allô? Allô, docteur Varun Chetty? Oui, qui est à l'appareil? Bonjour. Mon nom est Alok Sen. Docteur Alok Sen. Excusez-moi, mais il faut absolument que je vous voie. C'est extrêmement urgent. Je vous en prie. C'est à quel sujet? C'est grave. J'ai des informations très importantes au sujet de l'épidémie en Afrique. Je connais le virus et son antidote. Comment? Je vous raconterai tout quand je vous verrai. Ma vie est en danger. C'est pour ça que je vous appelle d'une cabine. Je vous en prie, recevez-moi. Bon, calmez-vous, monsieur Sen. Rejoignez-moi à mon bureau, je vais pas tarder à arriver. Je vais vous communiquer l'adresse. C'est bon, je connais l'adresse et je vous rejoins plus vite. Bonsoir, monsieur Chetty. Bonsoir, Claire. J'attends le docteur Sen. Très bien, monsieur. Merci. Qui êtes-vous, madame? Un être unique, inégalable, incomparable. Tout simplement parce que je n'ai pas d'histoire. Aucun passé. Seulement le présent. Surprise? Qui que vous soyez, vous vous trompez d'endroit. Ah non, je suis au bon endroit. Au bon moment. En revanche, je n'ai pas de bonnes intentions. Je ne comprends pas. Partez, s'il vous plaît. Vous pourriez d'abord apprendre à me connaître. Moi, j'ai la réponse à vos questions. À toutes vos questions. Je ne vois pas. Alors, regardez-moi. Regardez-moi droit dans les yeux. On se ressemble. Bon sang, mais pour qui vous vous prenez? Très bien, monsieur. Docteur Chetty, je suis le docteur Sen. Merci beaucoup. Merci de me recevoir aussi vite. Et vous vouliez me voir pour me donner des informations concernant le virus? Oui, c'est ça. Tout est là. Il y a la souche du virus et son antidote. Je travaille pour le labo Kaal Pharmaceutique. On étudie les virus. On utilise de l'ADN d'espèces différentes. Et on crée des antidotes contre les virus. Mais il y a autre chose. J'ai découvert récemment que... Avant de chercher la formule de l'antidote, c'est eux qui créent le virus. Ils ont des laboratoires dans le monde entier. Regardez, j'ai des preuves. J'ai pu tout copier. D'où les fichiers sont sur cette clé USB. J'ai bien l'impression qu'il y a de la trahison dans l'air. Vous êtes responsable du labo numéro 3. Vous aviez la tâche d'associer plusieurs molécules ADN de différentes natures. Et au lieu de faire votre travail... Vous avez perdu votre temps à copier des fichiers. Comment savez-vous ça? Peu importe, je sais tout. Sans la confiance de Kaal, vous avez fait une très grave erreur. Il n'a aucune tolérance pour la traîtrise. Elle, c'est Kaya, un miracle de la science. Créé justement par celui qui souhaite transformer la Terre en un monde extraordinaire et totalement nouveau. Un monde à son image. «
C'est lui, Kaal. Il est persuadé qu'il peut être à la fois le maître de sa vie et de son destin. C'est une énigme à lui tout seul. Un véritable génie de la science. Les recherches qu'il mène depuis des années pourraient totalement changer la face du monde. À l'origine, il a entamé ses recherches sur l'ADN dans le but de réparer son infirmité. Quelle étrange ironie qu'un esprit aussi vif et brillant soit enfermé dans un corps paralysé des épaules jusqu'aux pieds. Son corps entier est immobile à l'exception de deux doigts. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Kaal est capable de concentrer toute la puissance de son esprit dans ses deux seuls doigts. Il peut soulever des objets, les faire voler et même les détruire par la télékinésie. Pourtant, il ne cesse de chercher un donneur de moelle osseuse compatible qui pourrait enfin le libérer et lui rendre l'usage de son corps. Mais à cause de son ADN particulier, il lui a été impossible de trouver le remède à son mal parmi la population humaine. Il s'est donc progressivement tourné vers l'expérimentation chez les animaux. En associant son ADN et son sang avec ceux des animaux, Kaal a créé des créatures in vitro. Certaines d'entre elles se sont avérées incroyables, possédant l'âme et l'esprit de Kaal. Toutes humaines d'apparence, elles sont en fait de nature bestiale et leur force est décuplée. Kaal les a nommées Animan. Malgré tous ses efforts, Kaal n'a pas encore trouvé le donneur qui pourra changer son existence. Il continuera sa quête jusqu'à ce qu'il trouve. Lancez le processus. Engagez la décondensation. La fusion est notre futur. Procédez aux dernières analyses. Test de compatibilité en cours. Apprenez-lui à vivre dans notre environnement. Et continuez vos recherches. Passons à la suite. Kaal, tu finiras bien par y arriver. C'est un échec aujourd'hui, mais demain tu trouveras. Aucune de mes expériences n'est un échec. Tu as certainement remarqué l'attaque fatale de mon nouvel animan, Striker. Je dois avouer que parmi toutes mes créatures, c'est toi qui es ma plus belle réussite. La fusion de mon sang avec celui d'un caméléon a fait des miracles. Voilà pourquoi tu peux te transformer et prendre n'importe quelle forme, n'importe quand et n'importe où. Bon, regardons combien de vies notre virus a emporté en Namibie.
Les points rouges indiquent que plus de 40% de la population namibienne est contaminée par le virus. Nous avons réussi à déstabiliser les scientifiques les plus brillants. Nos chercheurs aimeraient savoir s'ils doivent envoyer l'antidote immédiatement. Non, attendons encore. Plus de gens doivent mourir. Laissons la peur s'installer. Elle est cruciale. C'est extrêmement simple, Kaya. Plus la population sera désespérée, plus notre profit sera important. Je ne pense pas que ce virus soit naturel. Il a été créé de toutes pièces. Tu en es sûr, vraiment? Qui pourrait faire ça? Une personne extrêmement dérangée. Docteur Mera, je viens d'apprendre qu'un antiviral a été trouvé pour le virus qui sévit en Namibie. La découverte vient d'un labo indépendant. Il s'appelle Cal Pharmaceutique. Le remède a déjà été expédié. Et la situation est sous contrôle. Tant mieux. En fin de compte, ça prouve que le bien existe encore. Il faut avoir confiance. Il y a plus de personnes au grand cœur que de gens malhonnêtes. Où allez-vous? 13e étage, Tual Saba, quartier de Minatnaga. Aidez-moi, maman! Aidez-moi, s'il vous plaît! Kiki! Aidez-moi, s'il vous plaît, maman! Maman, j'ai peur! Tu n'as plus à avoir peur. Tu es en sécurité maintenant. Ça va? En fait, nous sommes tous les deux en sécurité. Quelque chose m'intrigue. Comment t'es-tu retrouvée là-haut? J'aimerais savoir. Je faisais mes devoirs et puis j'ai vu un oiseau. Une de ses pattes était accrochée dans les fils électriques. Il se débattait. Alors je suis montée sur le toit pour le sauver. Et même si mes mains sont toutes petites, j'ai réussi à le décoincer. Ensuite, il s'est envolé. Mais après, c'est moi qui t'ai coincé. Maman, au secours, aidez-moi! Au secours! Mais t'es venu et tu m'as sauvé, Blast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toi le héros. Moi? Oui, tu as sauvé la vie d'un pigeon. Mm-hmm. Tous ceux qui ôtent les larmes et répandent la joie sont des super-héros. Waouh! Je suis un super-héros? Oui. Mais toi, t'as un costume et tu portes un masque. En plus de ça, t'as de super pouvoirs. Moi, j'ai pas tout ça. Ton cœur est pur et plein d'innocence. Tu m'as donné une leçon. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est le courage dont on fait preuve. Et pour te récompenser, voici un petit cadeau. De la part de Blast à Mini Blast, dans ton bras. Ceci est le symbole de ta générosité. Et de ton courage. Bienvenue dans mon équipe. Ton équipe? Alors je fais partie de ton équipe, c'est vrai? Oui, mais promets-moi une chose. Donne-moi ta parole que tu n'essaieras pas de m'imiter en escaladant un immeuble ou en sautant de très haut. Promis? Je te le promets, Blast. Oh, monsieur, bonjour. Ah, bonjour. Vous voilà enfin. C'est gentil d'être venu. Vous pouviez tout aussi bien venir à la fermeture. J'aimerais savoir ce qui vous a empêché d'arriver à l'heure à votre travail. Pardon, j'ai eu un contretemps. Vous avez eu un contretemps? C'est ça. Et c'était plus important que votre travail? Non, Tout ce que les clients voulaient, c'était manger chinois. Mais ils sont partis en nous insultant. Tout ça à cause de vous. Blast a sauvé un petit garçon d'une chute mortelle. Il est donc sain et sauf et a retrouvé sa famille. Cela prouve une fois de plus qu'en cas de tracas, Blast est toujours là. Vous voyez? D'un côté, il y a ce héros, Blast. Tel le vent, il vole au secours des gens pour les tirer d'affaire lorsqu'ils sont en difficulté. Et de l'autre côté, il y a vous. Tel le vent, vous vous envolez pour fuir les difficultés. Vous devriez en prendre de la graine. Peut-être que si vous étiez un peu plus comme lui, je ne me verrais pas contraint de vous renvoyer. Vous êtes viré. Si vous... Comme lui peut le faire, car cela pourrait s'avérer très dangereux. Mais avant de conclure,
conclure notre journal, nous avons une nouvelle information. On vient juste de m'informer à l'instant que Blast, notre super-héros, sera disponible ce soir à partir de 23h30. Voilà pour aujourd'hui, c'était Priamera pour #. Rejoins-moi au Club Orchid à 23h49 pétante, tenue correcte exigée. Bisous, Priya. Anniversaire, mon chéri. J'en viens pas, on m'a jamais fait une aussi belle surprise. Et avec ça, j'ai le plus beau cadeau que tu puisses espérer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons avoir un bébé. Ah. Non, tu... सबसे हंसी है सबसे जुदा वो देखो मेरी जान
Bonjour, papa. Aujourd'hui est un jour très heureux pour nous. Quand les enfants grandissent, ils traitent les parents comme des gosses. Je sais quel jour on est. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mika. Et d'ailleurs, j'ai un cadeau pour lui. La raison de notre bonheur n'est pas mon anniversaire, et c'est Monsieur Balgopal en personne qui te dévoilera ce que c'est. Oh. Bonne nouvelle, Monsieur Balgopal. Qui ça peut être? Je ne crois pas avoir d'amis de ce nom. Est-ce que je dois m'inquiéter si je commence à oublier le nom de mes amis? Balgopal... Oh. C'était ton nom quand tu étais petit? Oh. Tu vas être grand-père. Oh. Oh. Grand-père. Vraiment? C'est vrai? Oui, papa. Quelle joie! Je suis heureux. Les pères désirent voir grandir leurs enfants et pouvoir jouer et faire le clown avec eux. Mais j'ai pas eu cette chance, on m'a privé de cette joie. Je l'ai pas vu grandir. Je n'ai pas pu assister à ses premiers pas, ni le consoler quand il se faisait mal. Et toutes les fois où il rentrait tout sale, je regrette encore de ne pas avoir été présent pour tout ça. Mais maintenant, je n'ai plus de regrets à avoir. Je sais que je vais être comblé. Même si en tant que père, je n'ai pas pu être présent. En tant que grand-père, je vais vivre tous ces moments de bonheur. Je vais enfin pouvoir vivre ton enfance à travers celle de ton enfant. Merci beaucoup, Priya. Grâce à toi, notre petite famille s'agrandit et j'en suis très heureux. Oh, j'oubliais. Joyeux anniversaire. Voici un petit cadeau pour toi. Enfin, pour Priya aussi. Oh, papa. Tiens. Et moi, j'emporte les bonbons au laboratoire. Mes collègues vont adorer. La nouvelle va les ravir. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais? Si seulement j'avais l'usage de tous mes doigts. L'usage de mes deux mains. Si seulement mon corps voulait fonctionner normalement. Tu n'imagines pas ce que je pourrais faire. Je serais tellement puissant. Pourtant, je suis déjà épatée. Comment fais-tu ce que tu fais? Comment as-tu de tels pouvoirs? Quel en est le secret? Comment se fait-il que, malgré tes pouvoirs extraordinaires, tu sois encore coincé dans ce fauteuil roulant? Cal, arrête, tu es en train de m'étouffer!
Arrête, tu me fais mal. C'est l'effet recherché. Tu m'as fait beaucoup de mal en me posant ces questions. Je ne connais pas les réponses, tu le sais. C'est pour ça que mon problème n'est pas réglé. Je n'ai pas la réponse. Ça fait des années que je veux savoir. Voyons, mais qu'est-ce qui te prend ? Cal, je ne veux pas que tu utilises tes pouvoirs de cette manière. Ne t'en sers pas pour détruire. Tu le sais, ça ne t'apportera rien de bon. Combien de fois il faut que je te le répète, Cal ? Ne fais pas ça ! Et moi, combien de fois faut-il que je te le demande ? Pourquoi suis-je tellement différent ? D'où me viennent ces pouvoirs ? Mais je n'en sais rien, mon garçon. Ça fait des années que tu me racontes des mensonges. Et c'est ce que tu es en train de faire encore une fois. Écoute-moi, je te jure que c'est la vérité. Arrête, veux-tu, arrête tout de suite. Cal. Je n'ai pas eu de réponse à ce moment-là. Malgré toutes ces recherches et toutes ces expériences, je n'ai pas de réponse. Je ne cesserai pas de chercher. Je sais que la science détient ce dont j'ai besoin et elle me l'apportera. Le remède à mon mal se trouve dans la science. Mais la clé se trouve dans mes origines. J'ai dépensé des millions. J'ai dépensé des milliards. Messieurs, combien nous a rapporté l'antidote en Namibie ? Je veux connaître les chiffres. 320 millions de dollars et le compteur continue de grimper. Une petite frayeur et tu récoltes 320 millions de dollars. Et ce n'est pas encore fini. Le commerce de la peur. C'est celui qui rapporte le plus. Mais ce n'est pas suffisant. Il me faut des milliards, pas des millions. Le moment est venu de propager le virus dans un pays très peuplé où tous seront touchés. Nous avons le choix entre l'Inde et la Chine. La Chine a une population plus importante que l'Inde. L'Inde est moins peuplée, il y règne des milliers de dieux. Et les habitants ont une foi en eux inébranlable. Voyons voir. Peut-être qu'un de leurs dieux les sauvera. Combattre mon virus ne sera pas aisé. Tenez-vous prêts, mes braves gens. Kal arrive. Le train à destination de New Delhi est en place pointée. Tous les voyageurs sont invités à rejoindre leur wagon. J'ai envie d'une glace. Est-ce que tu vas aller au bar? Une glace, vraiment? Je pensais que les femmes enceintes avaient des envies plus étranges. Et des pépites. Ah ouais? Oui, parce que j'aimerais que notre bébé soit aussi craquant que toi. Ah, je vois. Elles sont bonnes, ces glaces. Arrête de lécher comme ça, c'est dégoûtant. Oh, t'as mangé ma glace, c'est pas possible! Pourquoi tu voulais m'offrir une glace alors, hein? Comment veux-tu que je mange ma glace et la tienne en même temps? Alors on y retourne, moi je veux ma glace. Hé, hey, Crépale! Comment ça va?
Pour être franc, pas super. Je prends sur moi pour ne pas exprimer ma colère. On vient de m'accuser injustement d'être un voleur de glace. S'il vous plaît, je voudrais le même parfum que tout à l'heure. D'accord, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Vous servez des cornets de glace vides aux clients, c'est ça ? Mais non, la boule était là. Pourtant, je la vois pas. Si vous voulez, j'en fais une autre devant vous. Ouais, allez-y, je vous ai à l'œil. Non, mais c'est pas vrai, ça, je vous jure. De chocolat, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est pas moi, ça vient de leur faire sous vos yeux. Ah oui, je vous ai vu faire et pourtant le cornet est encore vide. Si c'est une caméra cachée, c'est pas drôle. Vous vous moquez de nous, c'est ça ? Où est passée ma boule ? Mais ouais, regarde mon cornet est vide. Où est passée ma glace ? Une autre, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Je reviens tout de suite. Mais... Oui, Kaya. Carl, le ciel de Bombay est sur le point de changer. Il va s'assombrir. L'arme spéciale, des images terribles nous parviennent des tickets. Bombay est assailli par un mal inconnu. Ce qui semble être un virus se propage. La ville toute façon... entière est touchée par une maladie terrifiante. Les premiers cas ont été répertoriés à la gare centrale. Le virus est fulgurant et il a infecté la ville toute entière en très peu de temps. Les descriptions des personnes atteintes sont toutes les mêmes et nous viennent de partout. Les déclarations rapportent des symptômes similaires dans tous les quartiers de la ville. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les urgences sont débordées. Il n'existe aucun plan d'urgence pour ce genre de situation. Malheureusement, de nombreuses victimes sont dans un état critique et le virus ne cesse de se propager. 117 personnes ont déjà perdu la vie et le compte ne cesse d'augmenter de minute en minute. Faites quelque chose, il faut qu'on passe. Blast, aidez-moi s'il vous plaît, ma femme se sent très mal.
C'est bien ce que je craignais. C'est exactement le même virus. Le même qu'en Namibie. Celui qui a causé des milliers de morts. Ah, bon sang. Heureusement, il existe déjà un remède à ce virus. Il faut contacter Cal Pharmaceutique tout de suite. Pour ce qui s'est passé avec Stryker, crois-tu qu'on devrait se méfier de celui qui s'appelle Blast ? Je ne m'inquiète pas à son sujet. Il ne résistera pas au virus. D'ailleurs, la propagation du virus a déstabilisé le gouvernement indien. La peur règne, les ténèbres du gouvernement harcèlent nos représentants. Cal, c'est prêt, voici l'élément principal de l'antiviral. Il faudrait commencer la fabrication de l'antidote au plus vite. Combien de temps faut-il à nos scientifiques pour le fabriquer ? 10 jours ? Dans 10 jours, la ville entière sera anéantie. Les gens meurent devant moi. Ils meurent jusque dans mes bras. J'entends leurs cris de désespoir. Et je suis totalement impuissant. Je ne peux rien faire, papa. À quoi servent mes pouvoirs si je ne peux pas les secourir ? C'est ça. Oui. Tu es entouré de personnes infectées. Et tu n'es pas atteint. Priya non plus. Sans doute parce qu'elle porte ton enfant. Tous mes collègues ont succombé au virus. Ils l'ont attrapé les uns après les autres. Mais pas moi. Ça signifie que nous sommes immunisés contre le virus. Peut-être que notre sang contient un élément spécial. Quelque chose qui fait bouclier et qui nous protège. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais m'injecter le virus et si je ne développe pas la maladie, et nous pourrons utiliser mon sang pour créer l'antiviral. Non, papa ! Je ne peux pas te laisser faire ça. Mika, c'est le seul moyen de trouver un remède à cette maladie. Très bien, alors il faut que tu m'injectes le virus. Non. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Et cette fois-ci, je ne veux pas te faire courir un tel risque, tu comprends ? Tu es le seul espoir de ces gens. Non, aujourd'hui, c'est toi qui es le seul espoir, papa. Pas moi. Injecte-moi le virus. Mais... Allez, papa. Nous pouvons créer l'antidote à partir de ton sang. Nous allons pouvoir sauver des gens. Bon, ça ne devrait prendre que quelques heures. Mais... comment allons-nous administrer cet antidote ? Des millions de personnes en un temps restreint. Je ne vois pas comment on peut y arriver. Thank you.
créer un problème? Je ne sais pas comment ça se fait, mais la progression du virus diminue à Bombay. Une personne parmi vous m'a trahi, je ne vois que ça. Quelqu'un a osé trahir Cal. Kaya, je croyais avoir été très clair, il fallait livrer l'antidote uniquement après 10 jours. Comment est-ce possible? Qui est responsable de ça? La fuite ne vient pas d'ici. Nous n'avons pas terminé l'antidote. La rumeur qui circule dit que cela viendrait d'un institut de recherche à Mumbai. Un scientifique a réussi à créer un antidote. Comment? Vous dites n'importe quoi. Comment un misérable scientifique a pu réussir? Aucun autre laboratoire n'est capable de fabriquer cet antidote. Nous fabriquons cet antidote à partir d'un composant que je suis le seul à posséder. À partir de mon ADN. À partir de mon sang. Personne n'y a accès. C'est impossible. Comment ont-ils eu de mon sang? Comment? Comment est-ce possible? Existe-t-il quelqu'un du même sang que moi? Comment mon sang peut-il couler dans d'autres veines? Comment est-ce possible? En allant contre cette pandémie, nous avons prouvé une fois de plus que Mumbai n'a pas à avoir peur, car rien ne pourra jamais l'anéantir. Je rends hommage aux victimes et je salue le courage des citoyens qui ont fait preuve d'une entraide remarquable, sans oublier notre sauveur, le véritable héros de cette bataille. C'est un ami pour les enfants, un espoir pour les adultes et un soutien pour les plus âgés. Je veux remercier notre héros, Blast, si vous êtes présent aujourd'hui, où que vous soyez, sachez qu'il n'existe pas de mots assez forts pour vous dire notre reconnaissance. Toutefois, nous essayons en ce jour de vous remercier humblement. Ce monument représentera le nouvel idéal de notre ville. Et pour vous présenter notre nouvel idéal, j'aimerais inviter sur scène un autre héros. L'homme sans qui les efforts de Blast seraient restés vains, Dr. Rohit Mehra. Rejoignez-moi. Papa. Tenez, voilà. À vous. Merci pour votre enthousiasme. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mais je suis certain que si vous aviez été à ma place, vous auriez fait pareil. Je n'ai été qu'un instrument. Si nous y sommes parvenus, c'est uniquement grâce à toutes vos prières. Et Blast, j'aimerais le remercier pour son altruisme. Il rend nos nuits paisibles et nous redonne foi en l'avenir. Monsieur, est-ce que Blast est un ami à vous? Non, mais je crois en lui. J'ai la conviction qu'il sommeille en chacun de nous. Parce que nous sommes tous capables d'aider les autres. Il suffit seulement de vouloir tendre la main, de le faire sans penser à soi et de se soutenir les uns les autres. Voilà ce que je veux dire. Il y a un Blast en chacun de nous. Je suis Blast, moi aussi. C'est lui qui me l'a dit, le jour où j'ai sauvé un oiseau accroché dans les fils, et il m'a donné ce symbole. Moi aussi, il m'en a donné un. Moi aussi, il m'en a donné un. Moi aussi, j'en ai un.
इंसान ने बनाया एक इंसान का नाम सुन के कांपे हर शैतान Ça y est, Mikaela. Je vais lui ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Non, je vois personne.
Quel est son groupe sanguin? O positif. Des antécédents médicaux? Ou des allergies? Non. Mais elle est enceinte. Le docteur Moi est demandé chambre 302. Le docteur Moi est demandé chambre 302. Mika! Comment va Priya? Je ne sais pas encore, papa. Ils sont en train de l'examiner. J'y comprends rien, papa. Ne t'inquiète pas, bientôt nous en saurons plus. Nous avons emporté la créature. Elle est en observation au labo. J'espère seulement que... Monsieur Mera, votre femme va bien. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Tout va s'arranger. Tout ira bien. Je te demande pardon, pleurer ne changera rien. À présent, ce qui compte, c'est de bien t'occuper d'elle. Il faut lui redonner le sourire, lui donner envie de vivre. Seul toi peux y arriver, seul toi peux la réconforter. Elle a besoin de ton soutien, Mika. Bienvenue, Madame Priya Mera. Pas trop fatiguée? Comment vous sentez-vous? J'espère que le voyage n'a pas été trop long. Qu'est-ce que vous voulez? Se réveiller dans un lieu étrange est inquiétant. J'en suis conscient. Je me nomme Kaal et vous êtes dans ma demeure. Voyons, Priya, j'essaie d'avoir une conversation avec vous. Vous fuyez, vous m'attaquez. Il n'est pas recommandé de courir, surtout dans votre état. C'est très risqué. Pour vous et l'enfant. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous. Assis! Qui est celui qu'on appelle Blast? Qui est-il? Je sais rien. Vous savez sans doute que l'antidote à mon virus a été créé par votre beau-père, Rohit Mera. Vous savez comment il a fait. Expliquez-moi tout ça. Mais j'en sais rien. J'ai la conviction que vous savez quelque chose. Mon instinct me dit que vous avez les réponses. Ne me faites pas attendre. Écoutez... Je vous en prie, ma famille. Mon mari doit me chercher, il doit être inquiet. Je ne veux pas qu'il... On ne cherche que ce qui a disparu, voyons. Mais vous n'avez pas disparu, Priya. Vous êtes ici. Et là-bas.
Oui, deux places, s'il vous plaît. À l'orchestre. À quelle heure commence le spectacle? Parfait, merci. Ria, c'est bon. On a des places pour la première du spectacle. Ça va? Tu me donnes l'impression d'être ailleurs, très loin d'ici. Si, je suis là. Je suis juste devant toi. Oui, tu es devant moi. Mais tu n'es pas avec moi. Ah bon? Mais oui, mon cœur. Si tu étais vraiment présente, tu te serais rendu compte que je ne suis plus le même homme. Oui, madame, maintenant je suis entièrement à votre service. Je suis comme la chaîne Info en continu qui émet 24 heures sur 24. Je suis là en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. J'ai un programme pour tous les jours, de dimanche à samedi, shopping, cinéma, spectacle. Je ne demanderai aucun jour de congé ni aucune promotion. Je ne me contenterai que de mon salaire. Et quand je dis salaire, j'entends des milliers de sourires, des millions de câlins, des milliards de baisers. Rien d'autre. Bon, par où on commence? Tu lis dans mes pensées. Par où on commence? Par oublier le passé. Pour essayer d'avancer. C'est vraiment très étrange. Son cœur bat toutes les deux minutes. C'est un rythme cardiaque extrêmement lent. Ce qui signifierait qu'il est dans un sommeil très profond. Il est en train d'hiberner. De cette façon, en ralentissant son cœur, il peut dormir aussi longtemps qu'il le désire. Mais un homme n'est pas capable de faire ça. Mais certains animaux, oui. Ça existe. Ils s'enterrent ou s'enferment dans une grotte pour passer l'hiver. Et quand le printemps revient, ils se réveillent. Peut-être qu'il le peut. Il est à moitié homme et à moitié animal. On pourrait dire que c'est un mutant. Un mutant, tu dis? Oui, il a raison. Dans le poème épique du Mahabharata, ça existait. Shurpanakha pouvait même changer de forme. Allô? Priya, est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi? Je vais avoir un peu de retard. Je suis au laboratoire. Mon père a mis la créature en observation. Elle se réveille. Une fois réveillé, il pourra peut-être nous aider. Et nous pourrons l'aider en retour. Il va nous expliquer. Oui, il pourra nous dire qui est derrière tout ça. Qui joue comme ça avec les lois de la nature? Priya? Ça va? Pourquoi tu es venue? Je m'inquiétais pour toi. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je t'en prie, Mika, fais quelque chose. Il va me tuer! Il va me tuer! J'ai tellement peur, Mika! Calme-toi, fais quelque chose pour papa! Tue-le! Tue-le! Ça va aller, voyons. Non, il faut l'éliminer! Tiens, Priya, tout tire! Calme-toi! Priya! Mais il va me tuer! Je vous veux pas! Papa! Tu vois qu'il voulait me tuer. Il m'a attaqué. Si tu n'avais pas été là, il m'aurait tué. Mais qu'est-ce que je leur ai fait, enfin?
Et qui c'est? Qui sont ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils me font du mal comme ça? Je comprends que tu sois effrayée, mais je t'en prie, Priya. Calme-toi, ma chérie. Si on l'avait gardé quelques jours, on aurait peut-être eu des réponses. Mais qui sont-ils, au juste? Et qu'est-ce qu'ils veulent à notre famille? Et bon papa? Tu crois que ce serait parce que ton père a créé l'antidote? Mais je crois que c'est à cause de ça. Vous avez raison. On ne peut pas en être sûr à 100%. Pourtant, ça semble lié. Du virus ou de l'antidote. Les attaques sont ciblées contre nous. Donc c'est fort probable. Ça signifie qu'ils peuvent recommencer? Ils peuvent répandre un autre virus? Mais on sauverait tout le monde encore une fois. C'est impossible. Votre laboratoire a brûlé. C'est vrai. Mais nous avons l'antiviral encore. Et si c'est nécessaire, nous en fabriquerons plus. Oui, mais... comment avez-vous fait? Eh bien, tout simplement, nous avons utilisé... Papa, je pense que tant que tu ne l'auras pas préparé devant ses yeux, Priya ne cessera pas de t'assommer de questions. Cette jeune femme n'est pas ce qu'on croit. Hein? Quelque chose a pris possession de notre Priya. C'est son âme de journaliste qui se réveille. Ah oui, c'est vrai que Priya n'arrête pas de poser des questions. Chasser le naturel revient au galop. Elle n'est pas allée au bureau ces derniers temps. La journaliste qui est en elle refait surface. Voilà pourquoi. À partir de demain, tu retournes au bureau, mais pour l'instant, au dodo. Allez. Bon papa, mais... Mika, laisse ton père m'expliquer comment il a fait. C'est important qu'on le sache. On ne sait jamais à quel moment on pourrait en avoir besoin. Bon papa. Mika, écoute-moi une seconde. En sachant comment ton père procède pour fabriquer cet antidote, on sera en mesure de pouvoir l'aider. Ça me paraît très important. Pourquoi tu refuses d'écouter ce qu'on veut... Je t'aime, mon amour. Monsieur Mera, voici votre contrat de travail. C'est pas mal, ouais, je pense. Vous pouvez commencer demain. Mesdames. Merci, monsieur. Bien le plus. Moment est venu de vous annoncer les heureux gagnants du tirage au sort hebdomadaire de notre centre commercial. Cette semaine, le troisième prix, qui s'élève à un montant de 50 000 roupies, a été remporté par monsieur Sachin Gupta. Le deuxième merci. Prix, enfin. 15 000. Une rose, monsieur. Mademoiselle Pooja Mishra. Voilà, merci beaucoup. Et enfin, merci. De notre premier prix, une belle somme. Au revoir, monsieur. Roupies, madame Avisha. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le symbole de Blast. Tous ceux qui aident quelqu'un en difficulté sont récompensés par ce symbole. Et je peux le rencontrer où? Ça, j'en ai aucune idée. Et tout ce que je sais, c'est que Blast arrive toujours au bon moment. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Et lorsqu'il n'est pas là au bon moment, une personne comme vous arrive à temps et prend sa place. C'est formidable. C'est héroïque. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Une belle action. Vous avez sauvé quelqu'un. C'est ce que les gens bien doivent faire. C'est pour vous. Vous avez sauvé la vie d'un enfant et en même temps le cœur d'une mère. Vous l'avez mérité. Tu ne veux pas m'écouter? Je t'aime, mon amour.
L'honneur. Suis-je en communication avec Priya ou avec ma chère Kaya? J'ai besoin de plus de temps, Cal. Malheureusement, je n'ai pas de temps à te donner. Tu connais les ordres. Rapporte-moi l'information dont j'ai besoin avant demain. Si tu échoues à cette mission, Cal obtiendra ce qu'il veut d'une autre manière. Docteur, les variables sont-elles normales? Les variables sont normales. Le fœtus est bien positionné et en bonne santé. Alors pourquoi se trouve-t-il encore dans l'utérus? Il faut l'extraire. Immédiatement. Mais pourquoi voulez-vous faire ça? Parce que j'ai une nouvelle idée. Je veux lui injecter mon ADN. Je suis impatient de voir ce que cela produira sur un fœtus. Entre son ADN et le mien, quel mélange? Nous n'avons encore rien tenté de tel. Notre première expérience sur un fœtus humain. Je dois dire que cette idée m'excite beaucoup. On ne l'a même pas tenté sur un fœtus animal. C'est exact. Mais c'est trop tôt. Extraire le fœtus maintenant est bien trop risqué. La procédure est trop lourde. Elle le tuerait.
Nous ne pouvons pas intervenir avant le troisième mois de gestation. Il faut attendre encore un peu. Nous ne pouvons pas non plus faire d'expérience pour l'instant. Même une analyse ADN n'est pas recommandée. Dans combien de temps? Au moins une semaine, je dirais. Plus que 7 jours à attendre. Et votre grossesse sera déjà terminée. La fin d'un supplice. Et de mon côté, j'aurai peut-être les réponses que j'attends depuis si longtemps. Mika, où es-tu? J'ai fait une découverte vraiment étonnante au sujet du virus. Tout d'abord, j'ai découvert que l'ADN contenu dans l'antidote de Cal pharmaceutique correspond à l'ADN du mutant que nous avons arrêté. J'ai trouvé ça étrange, ils sont pareils. Et ensuite, en poursuivant mes analyses, j'ai mis en relief un fait encore plus étonnant. L'antiviral que nous avons fabriqué a un ADN similaire. Il est extrêmement proche. C'est effarant. Pour confirmer les résultats, j'ai fait le test 4 fois. Et à chaque fois, j'arrive aux mêmes conclusions. Mais comment c'est possible? Puisque nous avons créé notre antidote avec... Oh. On dirait que Priya s'est réveillée. Oui. À propos de l'antidote... Est-ce qu'elle va mieux? Oui, ça va. Papa, au sujet bon, de l'antidote... Écoute, je pars à Singapour demain. Prends bien soin de toi et de Priya. Tu vas à Singapour? T'es sûr? C'est la seule solution. Singapour. Le professeur Arya et ses mauvaises intentions. Tout ça est une part importante de mon passé. Et aujourd'hui, avec tous ces nouveaux faits, je me pose beaucoup de questions. Et je me dis que peut-être... je ne trouverai des réponses qu'en revisitant ce passé. Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui, pourquoi? Je sais pas trop. J'ai cru t'entendre m'appeler du bout du monde. Je suis là, voyant. Pourquoi je t'appellerais du bout du monde, enfin? Tu as raison. Ton père voulait du thé. Alors je lui ai apporté. Il travaille depuis hier soir. Mais il est tard. Mm-hmm. Bon, je vais lui parler. Il faut dormir. Non, non, non. On ne doit pas le déranger. Il veut être tranquille pendant ses expériences. Il m'a dit qu'il en aurait pour toute la nuit. Retournons nous coucher, s'il te plaît. D'accord. On y va. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Je ne peux pas trahir la confiance de Mika. Ah bon? Et Cal, alors? Je lui demanderai d'attendre. Je lui dirai qu'il faut qu'on attende le retour de Rohit Mehra. Pour avoir les réponses. Allô? C'est bon, j'ai eu toutes les réponses que je cherchais. Finalement, j'ai bien fait d'aller à Singapour. J'avais raison. Singapour? T'es à Singapour? Depuis quand? Tu m'as pas prévenu? Bien sûr que si. Je t'en ai parlé hier soir, quand tu es monté me voir. Hier soir, tu dis? Comment ça? J'allais tout
t'expliquer, mais Priya s'est réveillée. Ça te revient maintenant ? Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es devant moi. Mais tu n'es pas avec moi. Shurnaka pouvait même changer de forme. En sachant comment ton père procède pour fabriquer cet antidote. Je t'en prie, Mika, fais quelque chose. C'est vrai que Priya n'arrête pas de poser des questions. Chasser le naturel, il revient au galop. Et l'enfant qu'elle porte. Je t'assure que Priya va bien, je ne raconte pas de mensonges. Je ne te cacherai plus rien. Kal vous accueille dans son univers. Welcome, Docteur Rohit Mehra. Désolé pour ce voyage improvisé, mais je ne pouvais pas vraiment vous demander votre avis. D'après ce que j'ai compris, vous cherchiez des réponses, et vous êtes allé à Singapour. Alors dites-moi, qu'avez-vous appris ? J'ai appris que... qu'on ne doit pas jouer avec les lois de la nature, et que l'homme ne doit pas agir comme s'il était un dieu. Pendant de longues années, j'ai été le prisonnier du docteur Arya dans son laboratoire à Singapour. Durant cette période, le docteur Arya a fait de nombreuses expériences sur moi, dont une très étrange. Docteur Mathieu, ce sera révolutionnaire si l'expérience fonctionne comme je le veux. Je vais créer un être presque semblable en tout point à Rohit Mehra. Il sera constitué du même génotype. Normalement, il aura des capacités intellectuelles comparables. Et bien sûr, les mêmes capacités physiques. La seule distinction, c'est qu'il sera parfaitement docile et entièrement à mon service. L'expérience a fonctionné. Il a réussi à fabriquer un enfant qui portait mon ADN. Mais le pauvre petit était paralysé. Le docteur Arya a voulu s'en débarrasser. Il a demandé au docteur Mathur de tuer l'enfant. Mais ce dernier n'a pas pu s'y résoudre. Il a alors abandonné le bébé devant un orphelinat. Et après ça... Et après ça... Un homme fortuné est venu. Et il a adopté l'enfant tétraplégique. Il l'a élevé comme le sien. Ça signifie que pendant toutes ces années, l'homme que je pensais être mon père n'était pas de mon sang. Il n'était pas mon père biologique. Comme vous l'avez peut-être compris, cet enfant n'est autre que moi. Et donc, vous êtes mon père biologique. J'adore cette idée.
À présent, tout va s'arranger. Je vous ai trouvé. Et avec vous, j'ai enfin eu toutes les réponses à mes questions. Je reprends espoir. Maintenant, je possède tous les éléments pour guérir. Mais j'ai encore besoin de votre aide. Un petit coup de main. De quoi avez-vous besoin, au juste ? Eh bien, j'ai besoin d'un don de votre moelle osseuse. De moelle osseuse ? D'accord. Je ferai mon possible pour vous aider. Mais à condition que vous arrêtiez ce que vous faites, vos expériences. Il faut que vous détruisiez tout ça. Cet univers maléfique que vous avez créé. Père, je peux vous appeler comme ça? Bien sûr, pourquoi ça vous gênerait? Après tout, vous l'êtes. Allons, père. Vous ne pouvez pas mettre de conditions. Je serais contraint de vous attrister, sinon. De vous infliger une douleur terrible. Car j'ai une autre solution. Je prendrai la moelle ailleurs. Par exemple, je pourrais faire un prélèvement sur l'enfant. Celui que Priya porte en elle. Votre petit-fils, Rohit. Mon petit-fils? Mais je croyais que... il n'a même pas eu le temps de naître. Et non. Il est bien en vie. Je détiens Priya. Elle se trouve ici. Regardez. Elle est ici. Priya, mais... non, elle est chez nous. Ce n'est pas elle, puisque Priya est ici. C'est mon animane, Kaya. Elle a pris la forme de Priya. La vraie Priya est dans nos murs, en sécurité, et son bébé est en parfaite santé. Ainsi que sa précieuse moelle osseuse. Vous croyez sans doute que nous sommes seuls et sans défense. Que vous pouvez en profiter pour nous torturer comme vous le souhaitez. Vous sous-estimez le pouvoir des larmes d'un père. Elles sont plus fortes que tout. Votre aveuglement vous empêche de vous en rendre compte. Mais il arrivera, il sera bientôt là. Il représente le courage. Et il sera votre fin. Il est mon seul et unique fils. Blast. Ah!
Mika, Cal n'est pas ici. Regardez, père, je peux marcher maintenant. Alors que vous... Comment vous sentez-vous, Cal? Comment osez-vous m'interrompre? Vous ne voyez pas que je suis en pleine discussion. Été très utile. Rohit Mira est ici et c'est grâce à toi. Reviens vite, j'ai besoin de toi. Et j'ai une nouvelle à t'annoncer. Rejoins-moi dans le lieu où je t'ai créé. Heureuse de rentrer chez toi. Bienvenue à la maison, chère Kaya. Comment ça va? Cal? Regarde-moi ça. J'ai enfin réussi. Plus personne ne pourra m'arrêter. Je vais détruire l'humanité tout entière et créer une nouvelle race surhumaine. À présent, la planète Terre m'appartient. Elle aurait pu aussi t'appartenir. Mais tu as changé de côté. Tu as pris un autre chemin. Tu sais que je déteste qu'on me trahisse. Il y a une chose que tu as réussi. Tu as été tellement prévisible. J'étais certain que tu guiderais Blast jusqu'ici. Et c'est exactement ce que je désirais. Essaye de garder tes larmes pour plus tard. On ne sait jamais. Tu pourrais en avoir besoin pour ton père. Oh, c'est vrai. Pardon, je voulais dire notre père. Eh oui, nous sommes frères. Tous les deux du même père. Surprise. La seule différence entre nous deux, c'est que toi, Blast, tu es le fruit de l'amour. Quant à moi,
Je suis le fruit de la folie du docteur Aria. Si tu ne crois pas ce que je te raconte, pose-lui la question. Papa. Papa. J'ai dû faire un grand prélèvement de sa moelle épinière. Mika, il faut l'arrêter. Sinon, ce sera la fin de l'humanité. Père, êtes-vous en train de suggérer, par hasard, qu'un frère devrait tuer l'autre? J'adore cette idée. C'est avec une grande joie que je vais exaucer votre souhait. Le chagrin s'en chargera tout seul. Vous êtes tellement sensible, vous ne résisterez pas à sa disparition. Vous n'avez plus aucune raison de vivre. Roit Mera. Mika, allez. Mika. Mika. Qui êtes-vous?
c'est que ça? Hey, vous avez filmé ça? Celui qui vous a fait croire qu'il peut y avoir un monde meilleur. Celui sur qui vous pouviez toujours compter n'existe plus. Kaal l'a écrasé de ses propres mains. Blast ne viendra plus à votre secours puisque je l'ai tué. C'est pas vrai. Oh non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Il ne reste de votre super-héros qu'un souvenir. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, je veux Priamera. Apportez-la-moi. Plus vous attendrez pour me livrer Priamera, plus longtemps vous souffrirez. Je n'hésiterai pas à vous torturer et à utiliser la force jusqu'à ce que j'obtienne ce que je vous ai demandé. Intelligent. Je vous en supplie. Faites que ça marche. Pitié. Que tu te souviennes que tu ne seras jamais seul. Parce que personne ne meurt vraiment. L'esprit, l'énergie sont transférés dans un autre corps. Les anciens dont la vie se termine renaissent pour vivre à nouveau. Regarde. Regarde, Mika. Nos pouvoirs fusionnent ensemble. Parce que mon énergie est transférée en toi. Nous serons toujours unis. Je vivrai en toi, et je resterai dans tes souvenirs. Et toi, tu seras toujours dans mon cœur. Je veillerai sur toi, mon fils.
fais, Vicky. Non, où tu vas? Vicky! Regardez-moi donc cette bande d'imbéciles. De petits êtres sensibles et sans défense que je peux écraser comme des insectes. Vous n'êtes qu'une espèce inférieure, je peux vous détruire à tout moment. Alors, comment comptez-vous la sauver? On est prêt à donner notre propre vie. Non! On va plutôt prendre la sienne! J'adore! Quelle impertinence! Tu es pourtant si petit. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'empêche pas d'avoir un grand courage. C'est Blast qui l'a dit. Blast est mort. Vive Cal! C'est un symbole de notre courage. Et personne ne pourra jamais le détruire. Il existera tant que nous serons vivants. Il sera toujours là.
En voilà une jolie réunion de famille. Les frères ennemis, le petit dernier et la belle-sœur. Qui vais-je choisir? À ton avis, qui vais-je tuer d'abord? Le papa gâteau? Ou alors, l'enfant de l'amour? Regarde-toi donc dans un miroir. Tu es un être sans importance, un homme tout ce qu'il y a de plus quelconque. Un fils médiocre. Et tu feras un père absolument minable. L'être humain n'est pas une faiblesse, mais une force. Parce que je peux me mettre à la place de n'importe quel père. Et j'aime les enfants comme les miens. Ce n'est pas mon cas, Blast. Je ne suis pas venu au monde comme les hommes. Je ne peux pas mourir. Rien ne pourra me tuer. Mika,
Je voudrais que tu te souviennes que tu ne seras jamais seul. Parce que personne ne meurt vraiment. Tu vois, nous serons toujours unis. Je vivrai en toi. Je ferai toujours partie de tes souvenirs. Et toi, tu resteras dans mon cœur. Je veillerai sur toi, mon fils. Monsieur Mera ? Monsieur Mera, félicitations, c'est un garçon. Vous pouvez les rejoindre. J'aimerais que mon père soit là. Il est là. J'ai baptisé notre petit garçon, Rohit, comme ton père. Mais, c'est pas... Enfin, il était juste là. Rohit!
feu, tiens. Koroja, Kana, Chaika. Tab, tab, Banki, Mashalaika. Crush, crush. Oh,